Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour à vous tous et à vous toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Nancy Audia, ravie de vous retrouver encore une fois pour notre émission La Parole Inspirée. Alors, je suis très heureuse de recevoir encore aujourd'hui Monsieur Herman Moutima. Monsieur Herman Moutima, bonsoir. Bonjour, vous allez bien? Ça dépend de à quelle heure on va nous suivre. De l'heure à laquelle on nous suit, effectivement. Comment allez-vous, Monsieur Moutima? Très bien, merci. D'accord. Alors aujourd'hui, il nous revient encore une fois pour partager un thème ensemble. Donc, comme je vais à l'accoutumée vous le dire, donc installez-vous confortablement. Nous allons partager un moment. Nous allons méditer ensemble et essayer de comprendre ensemble la parole. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Moutima pour nous expliquer aujourd'hui le thème de quoi nous allons parler. Bon, merci à toutes les sœurs et à tous les frères qui vont nous suivre. Je suis Herman Moutima, je suis évangéliste. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis lors des dernières émissions, je voudrais dire que ma marche avec l'Éternel commence très jeune. Lorsque j'étais très jeune, je suis né dans une famille chrétienne. Et j'ai vécu dans ce milieu-là jusqu'à mon âge adulte. Et c'est seulement au début des années 90 que j'ai commencé mon ministère d'évangélisation. Et je suis allé en Côte d'Ivoire au début des années 2000. Et là aussi, j'ai eu, malgré que j'avais des fonctions, dans le cadre de ma profession des fonctionnaires internationaux, j'ai trouvé le temps de partager la parole de Dieu avec les frères et sœurs que j'avais rencontrés en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, que ce soit dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Et je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, demandez et on vous donnera. Ah, c'est un thème que les gens aiment beaucoup, ça. Oui. Senga Voilà. bakopesa Voilà. Alors, je voudrais poser la question à Nancy. Si Jésus venait tout de suite et qu'il vous posait la question, Nancy, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Vous allez répondre comment? Ah, ben écoutez, je lui demanderai de me donner la sagesse éternelle. J'ai posé cette question lors d'un culte à Kinshasa, dans une église. J'ai demandé à l'assistance, j'ai posé la question. Si Jésus venait et vous posait la question, vous allez répondre quoi? Ben, tout le monde disait, oui, le royaume des cieux, ceci, c'est, j'ai dit, vous êtes des menteurs tous. Parce que chaque fois qu'on organise des séances de prière, quand les gens vont prier, oh, ils demandent d'avoir les mariages, ils demandent d'avoir des enfants, ils demandent de l'argent. Et là, personne, en public, personne ne demande ça. Tout le monde dit oui, que les seigneurs, le royaume des cieux. J'ai dit, allez, soyons maintenant sérieux, qu'est-ce que vous allez demander? Et tout le monde commence à dire, oui, moi je n'ai pas de travail, moi je sais, vous voyez? Donc, vous avez menti. Évidemment, cette question de demander, on vous donnera, c'est une question qui se pose à tous les niveaux. Beaucoup de nos frères et sœurs se posent des questions là-dessus. Et beaucoup se disent, moi je demande depuis longtemps, je n'arrive pas à recevoir. J'ai prié, j'ai fait des, quoi ça, des veillées, des retraites, je n'arrive pas à avoir. Oui, beaucoup abandonnent même Oui, à beaucoup cause abandonnent. du j'ai Beaucoup demandé, je abandonnent. ne reçois pas. Mais ce que je voulais dire d'abord pour commencer, vous voyez, dans ce verset de la parole, on dit, demandez et on vous donnera. Deuxièmement, on dit, cherchez et vous trouverez. Et puis on dit, frappez et on vous ouvrira. Ça veut dire quoi? On nous amène à l'action. Si vous avez un problème, ne restez pas chez vous en train de pleurer, en train de rouspéter, de critiquer. On vous demande d'aller vers là où il y a la solution. C'est pour ça qu'on dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Lors d'un séminaire sur les mariages,
Il y a certaines jeunes filles qui étaient là. Bon, moi, je cherchais une fiancée, un fiancé. Je n'arrive pas à trouver. Alors, j'ai posé la question. Vous faites comment? Oh non, j'ai prié, j'ai prié. Vous avez prié. Et après avoir prié, vous faites quoi? Ah, voilà. C'était tout un débat. Ça nous a pris 2 semaines de discussion pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire Matthieu 7, 7. Cherchez et vous trouverez. Dieu nous invite à l'action. Aller vers la solution. Mais donc, monsieur Herman, il y a des personnes, des fois, parfois assistées ou bêtes et disciplinées, qui ont peut-être besoin d'un mode opératoire? Oui, c'est pour cela que il y a des conditions pour recevoir. Ce n'est pas tout ce que nous demandons à Dieu que Dieu va nous donner. Peut-être qu'il faut lire pour édifier les téléspectateurs dans les livres de Jacques, chapitre 4, verset 3. Jacques, chapitre 4, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Ah. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il y a un monsieur, quand il reçoit son salaire, on ne le voit plus à la maison. Il disparaît. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'argent, il revient à la maison. Alors, si un tel monsieur se met à genoux, demande à Dieu de me donner l'argent, de me donner la richesse, est-ce que vous pensez que Dieu va lui donner ça? Parce que Dieu sait qu'en vous donnant ça, vous allez devenir encore beaucoup plus ivrogne, donc il ne vous donnera pas. Donc, avant de satisfaire à une demande, Dieu se pose la question, est-ce que cette demande est utile pour la personne qui demande? Si cette demande n'est pas utile, pourquoi Dieu va satisfaire cette demande? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ceux qui demandent par jalousie. Je connais le cas d'un monsieur, ils avaient terminé les études ensemble avec ses collègues. Mais dans le travail, un de ses collègues monte, mais lui, il reste statique. Alors il prie, il dit, Seigneur, mais est-ce que je ne peux pas avoir la promotion comme mon ami là? Pourquoi c'est toujours lui et pas moi? Lorsque vous faites ce genre de prière, Dieu n'exaucera pas. Parce que là, vous êtes en train de traiter Dieu d'injuste. En train de dire, non, vous donnez à l'un, vous ne me donnez pas à moi. Donc, ne faites pas des demandes de cette nature-là. Si vous faites des demandes de cette nature-là, vous allez être étonné que vous allez passer beaucoup de temps sans que cela puisse être exaucé. Dieu n'aime pas des demandes par jalousie. Si vous demandez par jalousie, il ne vous donnera pas. Il y a un autre cas. Excusez-moi, monsieur Herman. Oui. Donc, quand vous dites par jalousie, bon, on dira que Dieu... Vous enviez quelqu'un. Vous enviez quelqu'un. Ah, mais je veux aussi avoir une voiture comme lui. Mais si moi j'envie ma voisine parce qu'elle a des enfants et que je n'ai pas d'enfants? Vous ne pouvez pas l'envier. Vous demandez, vous faites votre demande. N'enviez pas. Mais si vous commencez, si vous commencez à envier une femme avec des enfants et moi je n'enfante pas, donc j'envie cette femme. Je veux la même chose. Faites votre demande. Mais ça ne doit pas être par envie. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, vous jugez Dieu. Vous portez un jugement sur l'action de Dieu. Vous dites indirectement que Dieu est injuste. D'accord. Pourquoi il a donné à tel, pourquoi pas à moi? À ce moment-là, c'est difficile que Dieu puisse répondre à vos besoins. Parce que là, c'était un autre débat que vous soulevez. Donc, il est important d'éviter ce genre de demandes.
Ne dites pas non, moi je n'ai que des filles, voilà mon voisin, et il a aussi des garçons, est-ce que je ne peux... Non, demandez, présentez votre situation, sans faire référence. Parce qu'à force de dire que c'est comme l'autre, ça veut dire un jour que vous pouvez faire du mal à cette personne. C'est ça que Dieu ne veut pas. Un autre élément que je voudrais peut-être souligner ici, j'ai entendu beaucoup de gens qui font des prières pour que leurs ennemis puissent mourir. Voilà, ce monsieur, il est mauvais, il est contre moi. Dieu, tuez-le. Et Dieu, vraiment, qu'il ne se passe pas un mois, il faut qu'il meure. Qu'une voiture puisse même l'écraser. On lui jette le feu, surtout le feu. Et tu entends souvent, feu, feu, voilà, feu. Le feu. Et je ne vais pas citer des noms ici. Il y a des gens comme ça. Tu envoies le feu et tu envoies le feu et tu es étonné que le feu là n'agit pas. Pourquoi? Parce que est-ce que tu es sûr que Dieu veut que ce monsieur meure? Ce n'est pas parce que quelqu'un est pécheur que Dieu va vouloir qu'il puisse mourir. Ça c'est une fausse interprétation des choses. Alors, si vous voulez que vos ennemis meurent, qui vous dit que Dieu veut que cet ennemi-là meure? Peut-être que Dieu a besoin de lui pour autre chose. Voyez le cas de Paul, qui est devenu un grand apôtre, qui, grâce à qui maintenant nous avons ce que nous avons. C'est quelqu'un qui a arrêté les chrétiens, qui les mettait en prison, qui qu'est-ce qu'il ne faisait pas de mal. Les gens pouvaient dire aussi, allez Dieu, tuez-le. Mais Dieu ne l'a pas tué. Il l'a gardé parce qu'il avait besoin de lui. Il dit, j'ai besoin de lui. Donc, quand vous faites des prières comme ça, feu, 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 bon, feu. Et vous êtes étonné que le feu, là, n'agit pas. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour cette personne-là. Alors, donc, ce genre de prières, ce genre de demandes, Dieu n'aime pas. Un autre cas que je peux souligner ici aussi, c'est des demandes par défi. Il y avait un frère qui était quand même quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup. Alors, il dit, bon, je vais prier, vous allez voir, au nom de Jésus, je vais traverser les boulevards, il n'y aura rien. Même si un véhicule me cogne, il n'y aura rien. Ah oui, ça c'est un vrai défi. Alors, il a fait sa prière et les véhicules venaient, ils voulaient passer, il a été renversé, il en est mort. Dieu n'aime pas des défis. Pourquoi vous allez défier Dieu? Donc là, c'est un défi que vous lancez à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Alors, quand vous faites ce genre de demandes, des demandes par jalousie, des demandes par défi, des demandes, oh voilà, celui-là doit mourir, vous allez être étonné que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, donc, il faut éviter ça. Alors, maintenant, c'est ce que la Bible dit là-bas, parce que vous voulez satisfaire votre égoïsme. Ça veut dire que si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, ces prières-là, des demandes ne doivent pas relever de l'égoïsme. C'est ce que nous venons de lire. Oui. Alors, si la demande est faite pour être quelque chose de bénéfique pour les autres, là, Dieu est très attentif. Mais ça reste très compliqué, parce que vous m'expliquez, mais moi, mon ego, je ne le connais peut-être pas. Vous voyez, comme tout à l'heure, quand je vous dis, moi, je vois quelque chose de beau, des enfants chez ma voisine, je ne le ressens peut-être pas de la sorte. Nous sommes ici, il faut que nous expliquions que Dieu aime l'amour. Dieu est amour. Donc, il aime ce qui apporte de la joie chez les autres. Donc, si vous faites une demande qui apporte de la joie chez les autres, il y a beaucoup de chances pour qu'elle s'accomplisse. Voilà.
et ça va s'accomplir. Et je disais ça lors d'ailleurs d'une exhortation. Je conseillais même aux autres, je dis, ne priez pas pour vous, demandez pas pour vous-même. Ah, les gens, ah non, pourquoi je vais dire, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, bon, nous allons prendre un cas, peut-être que si on a le temps, on peut le lire. C'est le cas de Salomon, dans 1 Roi 3, chapitre 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 13, si on peut lire. Très bien, je vais le lire, donc 1 Roi 3, chapitre 5 à 13. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Vous entendez, Dieu dit à Salomon, « Demande ce que tu veux. » Oui. Hein? Donc, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Voilà. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence et ta fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple ? Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu dit, parce que c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Est-ce que ce n'est pas beau ça ? Formidable, formidable. Est-ce que ce n'est pas beau? Salomon, jeune roi, on lui demande par Dieu, demande ce que tu veux que je te donne. Mm-hmm. Alors au lieu de dire, bon, la richesse, les pouvoirs, tout ce que vous voulez, mon autorité, il dit non, il y a un peuple qui est là. Je suis jeune, comment est-ce que je vais conduire ce peuple? Mm-hmm. J'ai besoin de la sagesse. Et si vous lisez ce livre, l'histoire de Salomon, vous allez voir qu'il y avait deux femmes là qui se disputaient, et un enfant, qui est un bébé, qui était mort. Et il a dû, par sagesse, dire, bon, amenez, on va couper la tête à l'enfant. Et celle qui n'était pas sa mère a dit, oui, qu'on coupe, comme ça, chacun. Mais la mère a dit, non, 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 je préfère donner à l'autre. Et cette sagesse-là est venue de Dieu. Et Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé la longue vie, la richesse, que tes ennemis puissent mourir, et tout, je te donne ce que tu as dit. Donc la sagesse pour les autres, donc pour les autres. Et puisque tu n'as rien demandé pour toi-même, donc, cerise je sur te le donne gâteau. En plus. Voilà. Ce que tu n'as pas demandé. Alors nous, comment nous prions nous autres? Quand vous êtes là, vous, non Seigneur, je suis ceci, il me manque ça, et il me manque ceci, et je suis... C'est tout ce que nous disons à longueur de prière. Qui d'entre nous ici, sur 10 prières,
est en train de dire, Seigneur, bénis tel monsieur. Très bien. Seigneur, apporte la demande, donne la sagesse à tel monsieur. Donne la richesse à tel monsieur. Donne la santé à mon ennemi. Et donne, personne. Personne. Mais ici, nous avons un cas. Et la Bible dit qu'il n'y a pas eu un roi qui était aussi sage que Salomon. Et il avait beaucoup de richesses. Alors, vous voyez, quand on dit « demander, on vous donnera », nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. On demande mal. Voilà le cas de Salomon. Voilà, donc si je dois comprendre, comme vous l'avez dit dès le départ, donc on parle vraiment de notre ego. On ne pense qu'à nous. C'est ça. Donc, Dieu n'est pas égoïste. D'accord, donc prenons l'exemple d'un homme. On peut dire que, exemple, les riches sont bénis, certains diront, et qu'ils le sont toujours. Donc on voit souvent des riches donnés par philanthropie. Et donc, voilà, de comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt derrière. Et donc, de ce fait, ils continuent d'être bénis. Oui, c'est-à-dire que, un jour, on pourra discuter de ce qu'on entend par richesse. Mm-hmm. Et qui est riche, qui ne l'est pas. Là aussi, il y a beaucoup de confusion. Ouais, je veux juste en venir par là que Salomon a demandé sans intérêt précis le concernant. Voilà. Donc, il a été béni au-delà de ce qu'il attendait. Exactement. C'est ça que nous voulons d'abord souligner aujourd'hui. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Salomon n'a pas demandé la longue vie. Salomon n'a pas demandé les richesses. Mais il a demandé la sagesse pour diriger son peuple. Et Dieu a dit, puisque vous avez demandé quelque chose qui ne te concerne pas personnellement, mais tous les peuples d'Israël ici, je te donne ça, et je te donne ce que tu n'as pas demandé. Très bien. Voyez un peu. Mm. Alors que chacun de nous qui suit ce message puisse se demander comment il fait ses demandes à Dieu. Il demande ça comment? Comment ça se passe? Très bien. Donc, un autre élément par rapport à la façon de demander à Dieu, c'est demander quelque chose qui renforce l'œuvre du Seigneur. Mmh. Ici, nous venons de voir un cas pour les autres. Mais si vous demandez quelque chose pour l'œuvre du Seigneur, eh bien, cette chose-là vous sera donnée. Parce que ça concerne le Seigneur, ça concerne son œuvre. Et nous pouvons aussi voir dans la Bible, le cas de Anne, je crois que vous avez ce passage biblique. Oui, alors concernant dans 1 Samuel 10, 11 et 19 à 20. 1 Samuel 1, chapitre 1. Oui, versets 10 à 20, 10 à 11, ouais. Et puis 19 à 20. Et l'amertume dans l'âme. Là, je voulais expliquer d'abord que. Ouais. On parle d'un cas d'un monsieur. Elkana, qui avait deux femmes. Il y a une femme qui avait des enfants et il y a une autre qui n'avait pas d'enfants, mm-hmm. qui était stérile. Et celle qui avait des enfants s'est moquée de Anne. Pendant des années, c'était toujours Anne pleurait. Il allait aller au temple, prier, tout ça. Rien n'arrivait. Mm-hmm. Rien n'arrivait. D'ailleurs, les personnes qui étaient là au temple croyaient qu'elle était folle parce qu'elle parlait toute seule et tout ça. Alors, nous allons écouter maintenant comment elle a organisé, comment elle a prononcé sa prière et ce qui est arrivé après. Très bien. Vous pouvez faire la lecture. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante,
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Oui, ça c'est continue. Pour le 11, donc après 19-20. Ils se levèrent un bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voilà. Anne était désespérée, injuriée, humiliée par sa rivale. Elle n'avait pas d'enfant. Pourtant, elles allaient chaque année offrir à Dieu, son mari en tout cas, et elle. Mais il n'y avait pas d'enfant. Elle a fait cette prière que nous avons suivie. Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Dieu aime ce genre de prière. Mais nous, généralement, ce n'est pas comme ça que nous prions. Alors, je vais prendre mon enfant, il va s'occuper des histoires de Dieu, d'abord là-bas, et qu'est-ce qu'il va gagner? On va dire beaucoup de choses pareilles. Mais il a dit, si tu me donnes un fils. Et si vous lisez l'histoire de Samuel, vous allez voir que c'était un grand. Elle a fait cette prière-là. Et on dit, au cours de l'année, elle est devenue enceinte. Ouais. Elle a enfanté. Alors, vous qui cherchez des enfants, comment est-ce que vous priez? Vous qui êtes, votre couple, vous n'avez pas d'enfants, comment vous faites votre prière? Pourquoi vous ne faites pas comme Anne? Pourquoi? Quelle parole vous utilisez quand vous parlez à Dieu concernant votre cas? Vous dites quoi? Ici, nous avons un exemple. Dieu est très sensible à ce genre de situations. Donc, il est important de savoir parler à Dieu. Dieu, il écoute toujours. Même si vous dites des choses, il écoute toujours. Mais quant à satisfaire ce que vous demandez, il y a des conditions. Même si on dit « demandez et on vous donnera », demandez, si vous demandez mal, vous n'obtiendrez pas. C'est ce que Jacques nous corrige déjà. En disant, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Je connais quelqu'un qui, une fille qui demandait d'avoir des enfants, alors qu'elle n'est pas mariée. Alors, Dieu va faire quoi? Il va te donner des enfants, tu vas faire quoi? Donc, tu vas commencer à pécher. Il faut être très cohérent. Tu n'es pas marié, mais tu demandes des enfants. Donc, tu demandes à Dieu de faire quoi? Que tu ailles rencontrer quelqu'un, le mari de quelqu'un, et tu fais un enfant avec. Ça ne marche pas. Donc, ce qui est important à retenir, Nancy, c'est que Dieu connaît nos besoins. D'accord, Monsieur Herman, il connaît nos besoins. Mais que dire alors à ces gens qui manquent de patience? Parce qu'il y en a qui demandent depuis des années et qui ont abandonné parce qu'ils se disent « mais j'ai prié, j'ai pleuré et je ne vois toujours rien ». C'est ça. Ce que je veux dire à quelqu'un ou à quelqu'une qui est dans cette situation, c'est que ça ne sert à rien de multiplier des prières, de faire « Dieu connaît ta situation ». Dieu connaît ta demande. D'ailleurs, la Bible dit « quand vous priez, ça ne sert à rien de multiplier les paroles ». Puisqu'avant que vous n'ouvriez la bouche, il sait déjà ce que vous allez dire. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel genre de requête je vais faire à Dieu. Parce qu'il connaît déjà. Il connaît déjà.
puisqu'il connaît votre problème, je l'ai conseillé à certains frères et sœurs, mais j'ai l'impression que c'est difficile que les gens comprennent que tu peux prier pour quelqu'un sans demander des choses pour toi, et Dieu va te donner. Ils trouvent ça compliqué. Mais il faut essayer. Et vous allez témoigner un jour, et nous allons prendre vos témoignages. Demandez des choses qui ne vous concernent pas. Et Dieu va vous donner ce que vous avez demandé et ce que vous n'avez pas demandé, comme il a fait à Salomon. Demandez des choses qui concernent l'œuvre de Dieu et il va vous donner ce que vous avez demandé, si c'est pour une église, si c'est pour une mission. Je ne vais pas donner des témoignages personnels ici, mais moi j'ai vécu ça. En Côte d'Ivoire, j'ai vécu ça quand j'étais là. Et sur base de ça, je témoigne que Dieu aime ce genre de situation. Beaucoup de gens disent, oh, il faut mettre Dieu à l'épreuve. On ne met pas Dieu à l'épreuve. Mais là, tu poses des actes par rapport à ce qu'il aime faire, ce qu'il aime voir, l'amour envers les autres. Alors, si vous priez comme ça, si vous faites des demandes comme ça, vous allez voir que vous allez obtenir la main de Dieu sur vous. Et vous allez avoir des bénédictions dans votre famille. Vous allez avoir des bénédictions dans votre travail. Parce que vous aurez compris que Dieu aime ce qui est bon aussi pour les autres. Dieu aime ce qui intéresse les autres. Donc si vous demandez des choses qui ont un impact sur le bonheur des autres, Dieu va te bénir. Dieu va te donner des choses et vous serez très content parce qu'en vous donnant, il sait que vous allez partager avec les autres. Voilà ce que nous pouvons dire. Pour terminer, Nancy, je voudrais ajouter quelque chose que tous les chrétiens doivent savoir. Qu'avec Dieu, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. C'est ce que les Écritures disent. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Tu peux bien prier, tu peux bien demander. Mais si le temps de Dieu n'est pas encore là, il ne te donnera pas. Parce qu'il connaît quel est le moment le meilleur pour toi d'avoir ce que tu as demandé. Souvenez-vous quand nous étions jeunes enfants, quand nous avions faim, on allait chez nos parents, pleurer. Mais la maman, tant qu'elle n'était pas sûre que la nourriture était bien, tu pouvais avoir beau pleurer, mais elle ne te donnerait pas la nourriture. Parce qu'elle sait que la nourriture n'est pas encore prête. Et c'est Dieu, chez Dieu, c'est la même chose. Tu peux bien pleurer, mais si ce n'est pas encore le moment, il va mettre la sauce, mettre ce qui est bon, tous les ingrédients doivent être là, et enfin, il te donne. Et quand il te donnera ça, tu seras dans la joie comme un enfant qui mange bien lorsque la maman lui donne la nourriture. Oh, je connais le cas d'un couple qui a attendu 10 ans pour avoir un enfant. Et ils pensaient qu'ils allaient avoir un enfant. Mais quand Dieu a ouvert la voie, c'était une succession de 3 jumeaux dans ce couple. Et Dieu a été honoré. Beaucoup de gens ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à cause de cela. Donc, ne vous découragez pas quand ça traîne. Le moment n'est peut-être pas encore là. Recevez. Et restez toujours avec Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Herman Moutima, pour ce moment dans notre émission La Parole Inspirée. Donc, j'espère que vous avez été édifiés comme je l'ai été moi-même aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler Pactole Production, Lolo Moutima. Vous pouvez toujours appeler pour poser vos questions, avoir des interactions avec M. Herman s'il le faut et essayer de comprendre mieux si vous n'avez pas compris. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous. Thank you.
communiquer à l'international au-delà du Congo et de l'Afrique. Une seule chaîne, c'est Direct. Diffusé en France par Freebox, canal 449. Molotov TV, le bouquet africain en Europe, évidemment sur le continent africain. Canal Plus Afrique, canal 334. La TNT de Canal Plus, Easy TV, canal 3. La seule chaîne privée congolaise, suivie par la diaspora africaine et congolaise en France et en Europe. Le Congo vu du monde, le monde vu du Congo. C'est Direct, première chaîne mondiale des deux Congos.